Récemment, nous avons eu la quête d'Archon du nom de Caribert, et bien qu'elle soit assez courte, elle a pu ouvrir différentes possibilités, mais surtout, elle nous fait nous poser beaucoup de questions. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux enjeux que la quête a pu soulever. Clotar Albéric était un membre du clan Albéric, une branche familiale de la noblesse de Caenria. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les beaux jours de Caenria, cette nation était gouvernée par une famille royale communément connue sous le nom de dynastie Eclipse. Le roi de cette dynastie, donc le roi de Caenria, s'appelait Irmin, et il dirigeait la nation. Pour cela, il avait des gardes royaux connus sous le nom de Serpent Noir. Le capitaine de cette division n'était autre que Denslief, surnommé l'épée du crépuscule. Cependant, il y a 500 ans, lorsque le cataclysme a frappé Caenria, le roi Irmin ainsi que ses gardes royaux n'ont pas réussi à protéger la nation. C'est alors à ce moment que le clan Albéric s'est imposé pour la défendre, devenant ainsi des régents de Caenria. Sauf que quelques temps plus tard, une malédiction divine s'est abattue sur les habitants de Caenria. Ceux qui faisaient partie de la lignée fondatrice de la nation furent maudits par l'immortalité, ce fut le cas de Clotar justement, mais également de Denslief et certainement de Pierrot. Par contre, ceux qui ne faisaient pas partie de cette lignée fondatrice furent transformés en Brutocollinus. Et justement, c'est là que Caribert intervient. Clotar était par le passé tombé amoureux d'une femme venant de Mondstadt, avec qui il a eu un enfant. Puisque cette femme était étrangère à la nation de Caenria, l'enfant issu de l'union entre cette dernière et Clotar ne pourrait être considéré comme faisant partie de la lignée fondatrice. Ainsi, leur fils, du nom de Caribert, a subi la malédiction des dieux et s'est transformé en Brutocollinus. Le sort de la mère est inconnu, mais il est probable qu'elle soit décédée lors du cataclysme. Maintenant que Caenria a été détruite et que Clotar a perdu sa femme, il ne lui restait plus que son fils Brutocollinus, donc Caribert. Clotar, désespéré pour son fils, a entrepris un voyage à Sumeru dans le but de trouver un remède pour au moins faire retrouver la conscience à Caribert. Durant son périple, il a rencontré le jumeau du voyageur qui l'a aidé dans sa quête. Après avoir échoué à obtenir la bénédiction de la déesse de la sagesse il y a 5 siècles pour sauver Caribert, Clotar a fini par perdre la tête petit à petit. Toutefois, après une exploration dans un sanctuaire inconnu, accompagné de notre jumeau, Clotar a fait la rencontre du transgresseur. Ce dernier a insufflé en Clotar le pouvoir de l'abîme, développant ainsi un réel culte envers l'entité abyssale. Suite à son interaction avec le transgresseur, Clotar a finalement réussi à réveiller la conscience de Caribert. Prenant ceci comme une intervention divine de la part du transgresseur, il a entrepris de prier en son honneur. Cependant, Caribert, lui, ayant retrouvé sa conscience, a commencé à se poser des questions. Après avoir vu son masque dans un miroir, il a finalement décidé de le retirer. En le retirant, une immense force abyssale s'est emparée de lui. Ainsi, son destin a été changé et il est devenu un fil du destin, ce qui laisse son véritable sort inconnu. À partir de ce moment, Clotar a entrepris la fondation de l'Ordre de l'Abîme et a mis en exécution plusieurs de ses plans. Avec le temps, le jumeau du voyageur s'est rangé du côté de Clotar, lui donnant ainsi le statut de prince ou de princesse de l'Ordre de l'Abîme, en fonction du jumeau qui a été choisi au début du jeu. Des années plus tard, Clotar devenait de plus en plus fou. Cependant, il semblerait qu'il ait trouvé un moyen de briser la malédiction des dieux. Ainsi, il a vraisemblablement fini par mourir et a été enterré aux côtés de sa femme, laissant les rênes de l'Ordre de l'Abîme au jumeau. Ce que l'on en tire de tout ça, c'est que Caribert n'est pas nécessairement mort, et qu'il est possible qu'on le revoie plus tard dans l'histoire sous une nouvelle forme. Mais également, il semble possible de pouvoir briser la malédiction des dieux. Et ça, ça change énormément de choses. Je pense qu'on arrive à la partie la plus intéressante de cette vidéo, car on va parler du fameux transgresseur. Donc, le transgresseur, c'est l'entité rencontrée par le jumeau dans le gouffre avec Clotar et qui prenait la forme d'un cristal enchaîné. Ce transgresseur s'adressait directement à Clotar, sauf que seul le jumeau pouvait entendre ses paroles. Ce fameux transgresseur ne se considère point comme une divinité, mais ses pouvoirs vont au-delà de l'imaginable. Il a réussi à insuffler une admiration absolue envers lui chez Clotar, mais également chez les Brutocollinus. Cette entité connaît même le destin des gens, que ce soit celui de Clotar, mais également celui de Caribert, car le transgresseur a réussi à changer le destin de ces deux-là. L'un est devenu un fil du destin, et l'autre a réussi à mourir. Le transgresseur peut donc agir sur le destin. Nous avons donc une entité abyssale, extrêmement puissante, qui est vénérée par les Brutocollinus, mais également par l'Ordre de l'Abîme, qui est capable d'ailleurs de changer le destin des gens. Cela ne vous dit-il rien ? Rappelez-vous, en 3.2, dans la quête d'Archon,
Naïda nous avait dit qu'une entité cachait le destin de notre jumeau, et cette entité devait être relativement puissante. Et maintenant, en 3.5, nous rencontrons une entité très puissante qui joue avec le destin des gens. Cela ne peut pas être un hasard. On peut donc en déduire que le transgresseur est justement cette entité qui cache le destin du jumeau, faisant qu'il est difficile, voire impossible, pour Naïda de comprendre les informations stockées sur le jumeau dans l'Irmin Soul. Mais maintenant, nous pouvons aller encore plus loin. Durant le cataclysme, il y a 500 ans, la Kitsune Saigu d'Inazuma a disparu. Elle s'est retrouvée engloutie par l'abîme et y a fait la rencontre de sa volonté. Elle a rencontré la volonté de l'abîme. Dans ses derniers instants, elle s'adresse à cette volonté abyssale. Il y a donc une volonté de l'abîme qui contrôle le pouvoir abyssal. Cette même volonté a insufflé à l'ordre de l'abîme l'envie de renverser le trône des dieux, de renverser l'ordre divin, de renverser Celestia. Je me demande donc, et si le transgresseur n'était tout simplement pas la volonté de l'abîme, cette entité qui déteste les dieux et qui serait prête à tout pour les renverser et les exterminer, cette entité qui aurait insufflé sa propre volonté dans d'autres êtres pour propager un maximum son pouvoir dans ce monde. Cette entité serait à l'origine de tout, à l'origine de l'abîme, à l'origine de l'ordre de l'abîme et à l'origine des fils du destin. Ainsi, elle comploterait dans l'ombre avec ses fidèles pour renverser l'ordre du monde en engloutissant tout sur son passage. De plus, Dainsleif nous dit que le fameux transgresseur nous a vus, et ce, malgré le fait que la quête se soit déroulée dans un souvenir issu d'une ligne énergétique. Nous savons que les lignes énergétiques de Teyvat sont reliées à l'Irmin Soul et que ses racines sont plongées directement dans l'abîme. Dans ce cas, peu importe si le souvenir vient du passé ou qu'il s'agisse d'une vision du futur, car si le transgresseur est réellement l'abîme en lui-même, cela fait donc sens, il peut avoir accès à tout. Et peut-être que c'est même comme ça qu'il modifie le destin, je sais pas, c'est juste une hypothèse de ma part. Alors, j'ai pu voir à droite et à gauche d'autres théories quant à la potentielle identité du transgresseur, comme par exemple étant le roi des Shret ou alors le roi Irmin de Kaenria. En développant dans les détails, je vous avoue, cela fait sens. Plutôt bien d'ailleurs. Mais ce n'est pas forcément le but de cette vidéo. Mais si jamais ça vous intéresse, et que vous voulez que je fasse une vidéo sur cette théorie, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. À la fin de la quête Caribert, Clotar s'adresse aux jumeaux sous le titre de prince ou princesse de Kaenria. Ce dernier était un symbole de force et d'espoir pour la nation. En mêlant cette information avec ce que Scaramouche nous a dit dans sa propre quête, le jumeau semble avoir été invoqué et a vécu à Kaenria pendant un certain temps, et c'est là-bas qu'il a rencontré Pierrot, qui deviendra par la suite le premier exécuteur des Fatui, puis leur leader. Là-bas, il a pu gagner la confiance des gens au point où il a gagné le titre de prince ou de princesse de la nation. Un certain temps après ceci, le cataclysme a frappé Kaenria, et la suite, vous la connaissez. Le jumeau est donc intimement lié à Kaenria, contrairement à ce que l'on pouvait penser au début du jeu. Quelqu'un l'a fait venir en Teyvat d'une manière ou d'une autre, et ainsi, il est raccordé à la mémoire de ce monde, il est raccordé à l'Irmin Soul, jusqu'à ce qu'une entité, donc potentiellement le transgresseur, finisse par dissimuler son destin, car il a d'autres plans pour le jumeau. On comprend alors que le jumeau du voyageur est un élément clé à la compréhension de ce monde, son arrivée en Teyvat et la modification de son destin ne sont pas des choses anodines. En tout cas, une guerre se prépare entre l'abîme et l'ordre divin, et j'ai hâte de voir ça. Et bien voilà, c'est tout pour mes réflexions préliminaires seulement quelques jours après la quête. Donc peut-être qu'avec le temps, j'aurai de nouvelles réflexions et de nouvelles théories. Si jamais c'est le cas, je vous en ferai part sous forme de vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je rappelle qu'en description, il y a mes différents réseaux. On se retrouve très vite pour la prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien. À la prochaine. Tchuss.